Ce lundi 12 juin, Matt Pokora et Lionel Tim ont fait une belle surprise aux téléspectateurs de TPMP. En 2003, trois jeunes anonymes prénommés Mathieu, Lionel et Otis remportaient la saison 3 de Popstar avec le groupe Link Up. Après avoir rencontré un immense succès avec son premier single intitulé « Mon étoile », le trio a fini par se séparer et ses membres ont connu des destins bien différents. Si Matt Pokora compte aujourd'hui parmi les plus grandes stars de la chanson française, Lionel Tim est devenu chauffeur de salle pour « Touche pas à mon poste ». Après être revenu sur sa descente aux enfers à la suite de la dissolution de Link Up, Lionel Tim avait lancé un appel au compagnon de Christina Milian pour lui demander de l'inviter à chanter à ses côtés sur sa prochaine tournée. Une invitation que le célèbre interprète d'Elme Control avait déclinée, expliquant qu'il avait tourné la page sur cette période de sa vie. Matt Pokora et Lionel Tim en froid depuis la dissolution de Link Up dans TPMP People, Lionel Tim avait alors confié avoir été choqué par la réponse sèche de Matt Pokora. Je ne vous cache pas, ça m'a un peu choqué. Dire que ça a été 9 mois de sa vie et que quelque part ce n'était rien. Il ne faut pas se mentir. Tout le monde dit, les Link Up, ça a été très court. Ça a été 750 000 disques vendus. J'ai un triple disque d'or chez moi. On a fait toutes les émissions possibles et imaginables que ce soit M6 ou TF1. Tu ne peux pas dire ça ne m'a pas servi et ce n'était rien pour moi, avait-il déclaré, visiblement blessé. Et d'ajouter au sujet de son ancien acolyte, qui fête aujourd'hui ses 20 ans de carrière, il est dans un autre monde et je le comprends. Il a une autre vie. Il est passé dans une autre stratosphère. On n'est pas dans le même monde. Matt Pokora et Lionel Tim chantent ensemble dans TPMP plusieurs mois plus tard. Matt Pokora et Lionel Tim se sont retrouvés sur le plateau de Touche pas à mon poste, où le chanteur était reçu en tant qu'invité, ce lundi 12 juin. C'est alors que Cyril Hanouna a demandé aux deux jeunes hommes de reprendre le célèbre tube Mon étoile. Ni une ni deux, les deux anciens candidats de Popstar se sont équipés de micros et ont repris la chanson qui les a rendus célèbres ensemble. De quoi rendre Cyril Hanouna, qui connaît les paroles de ce titre par cœur, fou de joie. C'est historique, s'est enthousiasmé le présentateur. De belles retrouvailles. Touche pas à mon poste. À retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. Step up.